copinettes et les copinous. Alors voilà, j'ai une petite abonnée qui m'a fait remarquer que j'avais atteint les 500 abonnés. Donc je suis super contente. Hein. Ça prouve que on regarde quand même ce qu'on fait. Et du coup, ça fait très 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 plaisir. Alors c'est... attendez, j'ai noté là quelque part Miss Crap89 que je remercie énormément. Voilà, donc du fait que j'ai atteint les 500 abonnés, j'avais dit que si ça arrivait, je relancerai un concours. Ben pour fêter ça, quoi, en fait. Hein. Et donc, mon concours partira du 1er... attendez, on est au mois de février. Du 1er mars au 30 avril inclus. Donc, je vais prendre aussi ça parce qu'il va falloir que je vous fasse voir en même temps. Donc, je sors ça de suite, voilà. Donc, le concours, il n'y a pas de thème imposé. Voilà, ça peut être de l'ATC jusqu'à une petite création ou une carte ou voilà, ce que vous voulez, selon vos, comment je vais dire, votre imagination, votre création, vos désirs. Il y a juste un petit truc que je voulais vous demander, si c'est possible, parce que ce n'est pas du tout, du tout obligatoire. Dans votre envoi, j'aurais aimé recevoir une recette de votre région, parce que on est très éparpillé dans la France, même en dehors de la France. D'ailleurs, Kat, si tu passes par là, si tu as la recette de la paella, j'aimerais bien la voir. Soit dit en passant. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'en Espagne qu'on fait la paella. Enfin bref, voilà. Une recette de votre région. Même les Belges, hein, je sais qu'il y a des Belges, donc si vous voulez envoyer vos recettes aussi belges, moi je prends tout. Hein. Je suis très gourmande, j'aime beaucoup ce qui est bon. Alors, moi, par contre, je ne vous enverrai pas une recette du sud-ouest parce que je suis née dans le nord, comme je le dis souvent. Je suis née à Waterloo, alors ça se situe juste à côté de la Belgique, Moucron, pour ceux qui connaissent. Roubaix, Lille, enfin voilà, tout ce coin-là. Et donc, moi, ça fait maintenant 31 ans que je suis par ici. Je suis restée 38 ans dans le nord. Ah, ça va me dire mon âge. Tant pis, c'est pas grave. Ça fait 31 ans que je suis par ici, puisque ma fille a 31 ans, et je ne vous donnerai donc pas une recette du sud-ouest parce que je n'en connais pas. Voilà, si j'en connais, mais c'est pas, voilà, c'est pas, moi je préfère, en même temps, je ne vais pas dire que je préfère parce que j'aime bien découvrir plein de choses, donc je préfère rien du tout, j'aime bien tout, mais je ne sais pas cuisiner comme par ici. Enfin, pour en revenir à mon concours. Revenons aux moutons, à nos moutons comme on dit. Voilà, je vous demanderai qu'une chose pour celles qui ne me l'ont pas encore envoyé, parce que je n'ai pas de j'ai eu des concours entre deux où je n'avais pas demandé cette carte et pourtant c'est très très pratique. Je vous demanderai de joindre à votre envoi une petite carte comme ceci avec les dimensions indiquées. Je vais la mettre un peu plus près, voyez, donc 12 cm de largeur sur 7,5 de hauteur. Pourquoi? Parce que j'ai une petite boîte ici avec tous vos, voyez, tous vos cartes de visite, on va dire ça entre guillemets, et par ordre alphabétique, donc c'est bien pratique. Alors sur cette petite carte, je redemanderai, comme j'ai demandé aux autres copinettes, de mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, sans oublier bien sûr le code postal. Ça va de soi. Votre chaîne YouTube, Instagram, si vous en avez une, votre pseudo, ici en haut votre pseudo, qu'est-ce que j'avais encore demandé? Ah oui, votre date de naissance, parce que ma tête des fois c'est un gruyère, je dois avoir un petit peu de Suisse dans ma descendance, parce qu'il y a un petit peu plein de trous là-dedans. Bon, moi j'aime bien rire, hein, de toute façon, donc vous me connaissez. Donc, derrière cette petite carte, vous mettez tout ce que vous aimez bien, en couleur, en création, tout ça. Et surtout, surtout, en bas, ce que vous n'aimeriez pas recevoir. Parce que moi, par exemple, il y a des choses que j'aime pas. Donc, des fois, je le dis. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû parce que des fois, ça me joue des tours. N'est-ce pas, Audrey? Et Isa Créa. Enfin bref, voilà. Donc cette petite carte qui est très 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 utile, et surtout votre date d'anniversaire. J'ai beaucoup beaucoup de cartes et je n'ai pas de date d'anniversaire. Et je zappe certaines dates d'anniversaire.
Alors, que dire d'autre? Donc, le concours du 1er mars au 30 avril, il n'y a pas de souci. Sinon, ben, voilà, une création de votre choix, il n'y a pas de souci non plus. Que dire d'autre? Je ne sais pas, je crois que je vous ai tout dit. Je suis en train de réfléchir pour voir si je n'ai rien manqué. Ah oui, ici, vous voyez ce calendrier, ça cache tous les fils. Voilà. Bon, ben, comme ça, vous aurez vu ma tête en même temps pour ceux qui ne l'avaient pas encore vue. C'est ma scrap room, entre guillemets, parce que c'est une ancienne chambre que j'avais des enfants. C'est pas, elle n'est pas très très grande, mais elle est suffisante. Et puis voilà, quoi, moi je suis bien dedans. Je me sens bien à l'aise. Et sinon, ben, sur ce, je crois que j'ai plus rien à vous dire. Sinon, qu'il fait pas beau. J'espère que ceux qui auront eu de la tempête n'ont pas eu de dégâts. Surtout, je pense à vous les copinettes. Et sinon, bah, si j'oublie quelque chose. Ah oui, non, je voulais encore vous dire une chose. Pour celle qui. Que je n'ai pas l'adresse. Vous me la mettrez. Je vais mettre mon email sous cette vidéo. Et en MP, vous mettrez. Vous m'enverrez un petit commentaire en mettant concours 500. Vous savez, dans le petit. Où on doit mettre ce qu'il faut mettre comme courrier là. Concours 500, vous me mettrez votre adresse donc en MP, surtout pas en dessous de la vidéo, ça ne se fait surtout pas. Donc en MP, je vous mettrai la mienne en retour. Voilà. Et pour celles qui veulent participer à ce concours, ou me le mettre en dessous de la vidéo, ou ils me mettent en MP. Et puis voilà quoi, pour voir un peu combien. Pas vraiment combien j'aurai de personnes, mais pour voir si ça intéresse les personnes que je fasse ce concours. Alors, je ne vais pas vous dire les lots, parce que bon, j'ai pas mal de choses là, donc je vais pouvoir faire un beau petit envoi, je pense, hein. Par contre, oui, si je ne dis pas ce que je vais envoyer, c'est parce que bien souvent, les gens ne viennent que pour ça, et c'est vrai que c'est, voilà, c'est décevant, quoi. Ils ne viennent pas pour voir ce que vous faites, ils viennent pour avoir. Donc, je trouve pas ça très très honnête, c'est un peu dommage. Après, moi j'ai des abonnés qui n'ont pas de chaîne ni Instagram, mais qui me sont fidèles, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, alors par contre, moi pour le premier tirage, parce que je ne sais pas si je ferai un ou plusieurs lots, mais ce qui est certain, c'est que la première qui sera tirée au sort, je ferai un album photo. Je ne ferai pas un grand, grand album photo, mais je ferai un petit album photo. Voilà. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Et sur ce, ben, je vais vous laisser. Si vous êtes toujours contente de moi, n'hésitez pas, hein. Venez, venez, il n'y a pas de souci. Sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, les copinettes. Ah, c'est loupé. Je recommence. Bisous, bisous, les copinettes et les copinous. À bientôt!